Yo les amis, c'est Vicar, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. C'est parti pour le troisième épisode de God of War, premier du nom. J'espère que jusqu'à présent, cette série de let's play un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, hein, c'est vrai qu'on fait pas souvent des anciens jeux, vous plaît. Si c'est le cas, le seul moyen de me le dire, c'est simplement de mettre un petit like sur cette vidéo. Vous pouvez également bien sûr me laisser tous vos commentaires, ce que vous en pensez, etc. Je me ferai un plaisir d'y répondre, je lis absolument tout le monde. Merci d'être présent les amis, et c'est parti pour un nouvel épisode de God of War. Allez, on s'était arrêté juste ici, il y a une petite dame qu'on a poursuivie dans le palais qui est malheureusement tombée tout en bas, donc je pense qu'elle a quelque chose sur elle, un truc comme ça. R2, la trappe est verrouillée, ok. Bon, je pense qu'il faut qu'on aille voir ce qu'elle a, la petite dame. Donc on va sauter tout simplement, voilà, elle est là. Alors, il y a une clé dans sa poche, la prenez-vous? Bah oui, bien sûr que je la prends, évidemment. Donc du coup, est-ce que c'était la clé de la trappe? J'imagine que oui. Donc faut qu'on se retape tout le chemin, c'est super. Oula, allez, de nouveaux ennemis là. Détruisez les boucliers magiques avec le panache de Prométhée, carré carré triangle. Ok. Alors ok. Oh, attends, laisse-moi. Hop hop hop, laisse-moi prendre un peu de distance. T'as la caméra, c'est une horreur. Oh putain, j'arrive pas à le faire. Ah d'accord. Ok, ça passe. Donc faut déjà que je pète tous leurs boucliers, je pense, parce que... Oh, c'est pas facile. Oh putain. Oh putain. Allez, barre-toi. Putain, mais en fait c'est chiant parce que il me laisse pas faire le combo. Voilà, il y en a deux qui sont morts. Voilà, c'est bon. Allez, je t'envoie en l'air. Franchement, je pensais pas que j'allais autant kiffer un jeu... Oh putain. En fait, ils sont chiants parce qu'ils te laissent pas faire ton combo tout le temps, quoi. Ah, je disais que je pensais pas que j'avais autant kiffé. Ouais, tu vois, en fait, faut vraiment que je sois loin. Même comme ça, des fois, c'est chiant. Autant kiffer un jeu, tu sais, vraiment... Il est sorti il y a tellement longtemps. Mais il est vraiment cool, quand même. J'espère que pour vous, ça vous pique pas trop les yeux, tu vois, de regarder un jeu un peu rétro, hein. Je sais pas si on peut appeler ça, d'ailleurs, un jeu vraiment rétro. J'ai l'impression qu'on peut le casser, ça. Ah oui! Vert, on va prendre vert. Attends, vert. Voilà. En fait, ce qui est rigolo aussi, c'est de voir comment... Oh putain, deux méduses. Hop les... Oh oh oh. Comment on va? Je vais passer en mode éclair de Poséidon. Merde, j'aurais dû lui faire la QTE, comme ça j'aurais chopé des arbres. Et voilà, j'ai pas eu le temps. Ça y est. Allez hop, on essaie de pas la rater. Et le petit arc de cercle. Et on lui arrache la tête à Méduse, bien sûr, et pas du tout. Elle a esquivé. Et bah voilà. Prends un bon éclat. Putain, elle est résistante, hein. C'est un truc de ouf. En fait, c'est marrant de voir comment il y a des refs, enfin, ils ont gardé certains, tu vois, les coffres et tout ça, ils sont exactement pareils dans le God of War de 2018, quoi. La manière dont tu les ouvres et tout. Puis elle est pas mort. Incroyable. Ok, vas-y, on va ouvrir ça. Oh putain, j'ai l'impression d'être déjà passé par ici. C'est assez bizarre. Je suis déjà passé par ici, c'est juste que maintenant j'ai la clé de la trappe. Oh putain, faut pas qu'il... Eux, c'est vraiment, ils sont vraiment pas très forts, donc y a pas de soucis là-dessus. Ça va. Ils sont juste chiants. Juste ils sont chiants, voilà.
avec leurs flèches là. Ok, ah bah ça y est, on est revenu au truc. Du coup je pense que c'est cette trappe là qu'on peut ouvrir avec la clé. Insérer la clé, bien sûr qu'on va l'insérer cette clé. On est venu juste pour ça. Allez, petite sauvegarde. C'est parti. J'essaye de vous couper les sauvegardes au montage. Alors des fois il se peut que je les loupe sur le montage. Parce que je regarde pas entièrement, tu vois, tout l'épisode que j'ai tourné, je regarde pas toute l'heure que j'ai enregistré. Mais si voilà, j'essaie de regarder par rapport au son et tout ça, voir si j'ai la possibilité de. Si je vois la sauvegarde, je vous l'enlève parce que franchement ça n'a pas d'intérêt. Surtout que les sauvegardes à l'époque, elles sont vachement longues. Allez, on est arrivé sur les toits d'Athènes. Toujours dans le but de rejoindre Arès et de le défoncer, hein. On va dire les choses franchement. Hein. Le mec est en train d'éclater Athènes quand même. Alors. Gauche ou bas pour faire un double saut arrière. Ok. Ok, j'ai totalement raté, je le savais. Alors moi les trucs comme ça. Les trucs un peu chelou, tu vois. Peut-être qu'il faut que je me mette tout en haut. Ok, c'est bon. Fallait que je me mette vraiment tout en haut. Regarde, on voit Arès dans le fond là justement. Oh putain. Ok, c'est bon. J'ai eu peur. Hein. Parce que moi, ce genre de saut comme ça là, c'est vraiment le truc que je rate tout le temps en plus, tu vois. bleu, ça va très bien le bleu. Voilà. Tiens, on va péter ça, on va récupérer des petites. D'ailleurs, on va peut-être regarder. Ah, bon, il y a une cinématique. On regardera les pouvoirs après. Un squelette qui va dans la terre, mais qu'est-ce qui se passe? Oh putain, les relous, regardez. Donc là, on a intérêt à bien esquiver. Voilà, tu vois, là ils m'ont bien défoncé, ces enfoirés. Mais je pense qu'on peut. Voilà, leur mettre un bon coup d'électricité, ça va les calmer là. Oh les relous. Je sais pas si je peux sauter peut-être en. Ah, ils sont bien chiants eux. Ah ouais, ils ont trouvé des ennemis bien relous. Donc du coup, voilà. Ouah, tcha. Ah ouais, là c'est chaud. Hein. Oh putain. Ok, il y a de la vie là-bas. Bah, vaut mieux que j'aille la prendre. Je sais pas si je vais avoir le temps en plus de la prendre. Eh ouais, pas du tout, les bâtards. Peut-être utiliser un peu le pouvoir de méduse. Ouais, et encore, et encore, et encore. C'est de la merde. Il faut que je survive, j'ai pas le choix. Ok. Waouh, c'est chaud. Non, non, non. Il en reste pas beaucoup à tuer là, faut pas que je meure maintenant. Allez. Aïe aïe aïe. Attention là. Oh putain, c'est chaud. Oh non. Kratos, meurt pas. Hein. Pas possible ça. Putain la vache. J'ai regardé un peu de vie ou pas là? Pas de ouf hein. J'ai peur là, je vais jouer. Allez, j'ai l'impression que c'est le dernier. Je peux peut-être le défoncer et regagner de la vie comme ça. Non, juste des orbes. Oh putain. Oh putain, là, attends, c'est bon. Prends le coffre, prends le coffre. Oh my god. Attends, faut que je défonce lui là. Lui là, parce que là-haut, il est en train de me défoncer avec son vieil arc.
tout pourri. Voilà. Oh, on l'a fait. We did it. Comme dirait une certaine Dora, oui. Vous verrez quand vous aurez des gosses, vous aurez des références qui font flipper. Ah, je les aime pas, eux. Oh non, putain, regardez, y'a qui arrive, derrière. Ça, c'est la merde. Les mecs dans le sol, plus... Ouais, c'est chaud, là. Waouh, c'est chaud, là. Aïe, je me fais démonter, là. C'est chaud? Mais attendez. Putain, mais j'ai même pas le temps de... J'ai même pas le temps de réagir, quoi. Putain, j'ai plus de vie, les gars, j'ai plus de vie. Putain, j'ai pas le temps, je vais crever. Je sais pas quoi faire. Ah ouais, mais bien sûr, mais c'est pas possible. Ils sont 40 sur moi. Ah ok, je sais, en plus je reprends ici, donc faut se retaper la salle horrible. Ah, je déteste ces ennemis, je les hais, c'est bon. Je pense qu'il faut essayer de le bloquer, quoi. Ouais, c'est pas facile, hein. En fait, je peux les bloquer, mais Wouah. J'aimerais bien garder mon pouvoir pour en haut, parce que en haut, clairement... En fait, ils me font plusieurs attaques en plus d'affilée. Donc même quand je bloque, il faut que je bloque plusieurs fois, je crois. Ouais, il faut vraiment bloquer au bon moment, quoi. Bon, on va essayer de faire ça. Ouais, ils font plusieurs attaques. Je commence à capter le délire. Je commence à capter le délire du blocage de ces ennemis-là. Faut pas hésiter à bloquer. Je pense qu'il faut vraiment... Je pense que je bloque vraiment pas assez, mais je commence à comprendre. Vaut mieux le comprendre maintenant que... quand c'est trop tard. Allez, bim. C'est bien ça aussi, quand on l'envoie sur l'autre. Bon, là, c'est pas mal. Je pense qu'on a beaucoup plus de vie que tout à l'heure. Allez, là, je pars ici. Allez, hop, je le saisis. En plus, je le balance sur l'autre. C'est très bien, ça. Ouais, je vais prendre la vie. Je prends la vie maintenant ? Je sais pas. Ouais, je pense que je vais prendre la vie maintenant, de toute façon. Je sais pas. Peut-être j'aurais dû attendre de plus du tout avoir de... Putain, il ressort, lui. Ok, c'est bon. Bon, faudra pas hésiter avec le pouvoir, là. Lui, par contre, tu peux pas trop. Putain, l'enfoiré, il m'a eu jusque là. Faudrait que j'arrive à en avoir un par un. Mais c'est pas facile. Putain, la caméra, c'est une horreur. Oh là là. Ah, j'étais obligé de faire le pouvoir là, c'était fou. Ah, ouais, bah oui, c'est vrai, lui, je peux pas le bloquer. Ah putain, laisse-moi me barrer. Oh, c'est l'horreur, c'est l'enfer. Lui, il est pas dur, mais quand il est accompagné de carré,
Quand il est accompagné de perso, c'est grave chaud. Allez, défonce-lui bien la tronche là. Yes, on l'a fait les gars, on l'a fait. Putain, il y en a un autre. Ouh. Putain, il faut que je... Pourtant, on touche de loin, mais... Allez, hop, QTE. Oh, je l'ai raté. J'ai appuyé sur... Ah, ça va. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Allez. Allez, on lui matraque la tête. Vas-y, arrache-lui tout, arrache-lui la tête. Fais ce que tu veux. Ouh, c'est bon. Le portail est ouvert. Ok. Nickel. Ah oui, en plus, j'aurais même pas pu sortir, en fait. Hein. J'étais en train de me dire tout à l'heure, je laissais au pire le coffre en bas. Puis quand j'avais plus trop de vie, je repartais. Non, 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 non. Ne crois pas que tu vas faire ça. Ok. Ah, bah ok, il y a un petit coffre là qui était caché. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Une plume. Encore deux et on a une meilleure magie. Et là, on a des orbes. Ah oui. Faudrait que je regarde les... Si on peut améliorer les orbes. Ah, on peut améliorer les... Vas-y, je vais améliorer les lames direct. Plus de dégâts, nouvelles attaques. Bah, direct. Allez, on s'en fout. C'est ça qu'on utilise le plus, hein. Alors, lame du chaos, cyclone du chaos, L1 plus carré. On est niveau 3, donc L1 plus carré, cyclone du chaos, triangle, 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 nickel, je fais souvent ça. Bravoure d'Hercule, triangle, triangle, carré, revanche d'Hadès, en position de parade, carré ou R1. Waouh. Il y a combien de niveaux? Je sais pas, il y a combien de niveaux. Super ça. Du coup, attends, il y a une autre porte qui s'est ouverte. Ah ouais, regarde, c'est la nouvelle attaque ça. Et triangle, 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 c'est quoi? Oh ouais, c'est le feu. Oh, on va tout déglinguer là. Ok. Du coup, je pense qu'on peut se barrer par là. Elle est où la porte qui s'est ouverte en fait? J'ai pas compris. Ils ont montré une porte qui s'est ouverte. Bah, ça devait être ça en fait. Oh oh. Arès est entré dans la cité, les gars. C'est pas bon. Allez, c'est une petite plume? Non, pas du tout, les orbes. Je dois aller où? Ah, je croyais que là-bas ça avait été détruit en fait. Bah, la vie, je crois que j'en ai pas trop besoin, non, c'est bon. Par contre, si je la prends en fait, ça fait quoi? Est-ce que ça me donne. Ah, ça me donne vraiment rien. Ok, voilà, j'imagine qu'il faut pas qu'on tombe. Hein. Wow. Ah, ok. Oh les bâtards. Ils me tirent dessus les bâtards. Oh les chiens. Ah genre ils arrivent à me toucher comme ça quoi. Je pense que je peux rentrer dans la maison. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut rentrer dans la maison. Il faut rentrer dans la maison même. Allez, j'utilise, je teste un peu les nouveaux coups. Oh, c'est bon ça, 7 coups. Ah, oh, c'est stylé ça, j'aime bien ce coup-là. La toupie de la folie, quoi, je vais l'appeler. Ok, donc ça, c'était les vieux gars là qui nous ont tiré dessus. Ok, donc je pense qu'après il faut retourner sur le poteau. Hein. Waouh, j'ai cru que j'allais tomber. Allez Kratos, c'est le moment de sauter. Ouais. Est-ce que là ça va passer? Ça passe, c'est bon. Juste un peu, mais ça passe. Ok. J'ai l'impression qu'on va arriver à un boss, je sais pas pourquoi. Bleu, on va prendre bleu. Oh oh. Bleu. Comme ça on restaure toute notre jauge de magie.
Et voilà. Est-ce que ça rapporte beaucoup d'orbes de faire ça vraiment, genre? Je sais pas. Il y a une petite sauvegarde ici, on va le faire parce que ça fait un petit moment quand même qu'on n'a pas sauvegardé. Allez, go. Ah, attends, parce qu'il y avait un passage ici. Je suis où là? Parce qu'il y avait aussi une... Franchement, je sais pas ce que ça fait. À mon avis, il faut la déplacer. Mais attends, je voulais aller voir du côté de l'échelle là. Pourquoi il y a une échelle là? Où est-ce que ça nous mène, tu vois? Il y a deux chemins là, du coup, en fait. Waouh! Oh putain, je l'aime pas eux. Je pense que je vais utiliser. Ah, je sais pas si j'utilise le. Ouais, c'est trop bien les nouveaux pouvoirs. Franchement, ils sont bien les nouveaux pouvoirs. Allez, lui c'est ron ron ron, c'est vrai, je m'en rappelle. Et on gagne de la vie quand on fait ça. En fait, c'est marrant, ça dépend des mines. Il y en a qui te font gagner de la vie, il y en a qui te font gagner des orbes quand tu fais les QTE. Pourquoi je suis venu ici? Waouh. Wow, ok. Ah, par contre là, la caméra me gêne vraiment. Et lui, il meurt jamais en fait. Voilà. Ah, les minotaures comme ça là. Allez, prends-les dans la bouche, c'est bon. Wouhou. Ah ouais. Quand t'as la nana qui parle là, je sais pas si c'est Athéna ou quoi. Mais du coup t'as le. Ça veut dire que t'as le pouvoir divin qui est prêt. T'es prêt à tout défourailler quoi. Bon bah du coup je sais pas du tout si c'est par là qu'il fallait aller. Oh, œil de Gorgon, alors c'est reparti. Bah là je suis à fond donc ok. Faudra se rappeler qu'il y a un... Putain, il est relou lui à me suivre là. Allez go. Franchement je sais pas si c'est le bon chemin que j'emprunte les amis. C'est très bizarre. Je comprends pas tous ces chemins là. Là il y a une corde, là je peux aller là-bas, putain c'est vraiment trop chelou quoi. C'est vraiment trop bizarre. Non mais c'est vrai. Oh putain je me fais éclater. Wouh, c'est quoi tous ces coffres de ouf là? Ah ouais c'est la folie. Ah, je pense qu'il faut que j'aille d'abord niquer les ennemis au fond là, avant de pouvoir me faire plaisir. C'est sûr, attends, je vais essayer d'en ouvrir un. Ouais, non, c'est sûr, ok. Va falloir que je fasse le tour. C'est pour ça qu'il y a un autre... Oh putain, ils sont relous. Hop les... Allez hop, on s'en fout. Ouais, je pense qu'il faut aller... Lui j'ai bien envie de le tuer. C'est avec le pouvoir de Gorgon là parce que lui il me gave de ouf. Voilà, bam. Ça va tellement plus vite, c'est tellement bien. Oh putain, il y en a un autre. Allez, on s'en fout. On les éclate. Bah du coup c'est pas trop le chemin que je voulais prendre non? Attends. Moi ils étaient par là. Ouais ils étaient par là les mecs. Bon bah ok. Ah
J'ai l'impression que je loupe plein de trucs là, ça me fait peur en fait. Je sais pas où on m'emmène, mais il y a tellement de chemins que j'ai pas pu faire. Ça m'inquiète un peu là, tu vois. Attends, ça me fait peur. Ok. Ah ok, là on a créé un raccourci, ok. Putain, c'est bizarre cette histoire. Bon, vous savez quoi, on va aller voir, hein. C'est pas grave. Vous, je dois passer. Lâchez ce levier, déployez le pont. Non, non, je ne les laisserai pas me prendre. Ils ne passeront pas. Ces monstres, ils vont me dépecer. Lâche. Ok, donc lui... Donc lui, il veut pas lâcher le levier. Comment on va faire? Vous. Voilà, c'est bon. Je dois passer. Ah non. Lâchez ce levier, déployez le pont. Ah non, mais c'est bon, on a compris. Je peux pas passer. Non, non. Je ne les laisserai pas me prendre. Non, ils non. Je ne veux pas. Je suis un enfoiré. Ils vont me dépecer. Le bâtard, il tient le levier comme si c'était la prunelle de ses yeux. Ok. Bon, bah du coup, c'est mort pour l'instant. Bon, bah du coup, au moins, ça veut dire que c'est pas le chemin. Et tant mieux. Ok. D'accord. Bon bah du coup pas la peine de lui parler. On va pas lui reparler une quatrième fois, c'est bon. Du coup je vais aller prendre le petit coffre bleu sans tomber cette fois, oui. Bleu. Moi ce que je veux savoir c'est comment je vais chez eux là-bas là. Pour récupérer tous les coffres de ouf. Ils sont trop chiants. Je peux pas y aller je crois. Ah non je peux pas y aller par là. Alors soit... Je sais pas. Attends je vais retourner voir quand même. Wouhou. À mon avis, on peut pas y aller en fait. Hein. Ah non, je peux pas là. Ah, c'est impossible. Bon, ok. Bon, franchement, eux, je peux pas les attendre pour l'instant. Bon, en tout cas, pas comme ça, quoi. Ok, bon, on s'en fout. Hop. Fais un peu attention à la vie quand même, hein. La vie est pas folle, hein. Putain, mais d'où ils sortent, eux? C'est pas une censée... Oh non. Oh non, pas eux. Oh non, 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 non. Putain, les bâtards. Je me fais défoncer les gars. Je me fais défoncer là. Regardez, ça arrête pas. Protection. Oh non. Pas maintenant. Est-ce que je peux sauvegarder, j'allais dire. Sauvegardons, on sait jamais. Let's go. Bon, du coup, c'était... Ah oui, ils sont sur ce toit-là, du coup, j'ai l'impression. Olé. Ok, là, on peut pas... Ça veut dire qu'il y a des ennemis ou un truc comme ça. Et ça, je pense qu'il faut le bouger ou je sais pas, faire un truc. Hein. Mais ça sert à quoi ça? Il tire dans le vide là. Ah, tu peux le pousser en fait. Ok, mais jusqu'où comme ça?
Ah, jusqu'à là, ok. Enfin, si on peut le tourner, parce que là, il est pas du tout dans le bon sens, le truc. De toute façon, je crois que j'ai pas trop le choix. Coup de pied. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, le fameux coup de pied qu'on a galéré à trouver. Ça va quand même un petit peu plus vite, c'est pas fou, mais bon. Mais par contre, il est vraiment pas dans le bon sens, là, le bordel. Si je veux tirer dans la porte qui est derrière, je peux pas le tourner. Non. Je peux pas le tourner en plus. Ouais, c'est trop bizarre. C'est cette porte là qu'il faut que je nique. Normalement. Mais là ça s'ouvre ça. À quoi sert cette salle? Ok, on va voir celle-là aussi. Ah, on dirait un levier qui... Putain, mais c'est quoi tous ces monstres là? Et vous êtes des ouf! Ouah, et les amis, j'ai plus de vie là! Oh, oh putain! Putain, je suis obligé d'utiliser ça. Parce que là, je sais que c'est de la merde en plus comme ennemi, mais. Mais c'est soit ça, soit je meurs en fait. Je crois que comme ça, je suis un peu invincible. Un peu. Wouah, c'est chaud. Putain, j'ai pas pu tous les avoir en plus. Je suis concentré parce que j'ai pas beaucoup de vie. Et clairement j'ai pas envie de crever. Bim. Il y en a combien des comme ça là, sérieux? Arrêtez-vous. C'est bon. Je crois que c'est bon. Ok, le levier. Ah, ça fait pivoter, d'accord. Donc faut qu'on mette le truc dessus. Et après on va le pivoter et c'est bon. On va le remettre dans le bon sens. J'ai l'impression qu'il y avait déjà eu ce genre d'énigme dans God of War de 2018. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah, il y a une échelle. Ah, c'est intéressant. Attends. Yeah, petit coffre caché. Allez. Alors, donc là il est pas dans le bon sens, si j'appuie dessus, ça le tourne comme ça, d'accord, mais ça va toujours pas par contre, on va regarder avec ça. Ok, une salle vide, dénuée de tout intérêt. Attends, il y en a une là-bas aussi. J'aimerais un petit peu de vie s'il vous plaît par contre parce que... Oh, oh c'était trop lourd. Ah voilà, nickel, bah voilà, ils m'ont entendu. Ok. On a récupéré toute notre vie, par contre on a plus de magie, la magie c'est vraiment la dèche. Donc là on l'a tourné, très bien.
On l'a tourné, mais comment je fais pour le tourner encore? Faut que je le ressorte, peut-être. Qu'après j'appuie dessus. Et là je le remets. Il va se retourner normalement dans le bon sens. Tac, voilà. Et là je rappuie. Ouais, c'est bon. On a réussi l'énigme. Ok, donc je positionne la grosse arbalète devant la porte et je la défonce. 1, 2, 3. La porte est ouverte. Magnifique. Merci pour cette petite musique entraînante. Ok. Là, y'a rien. Oh, on va parler à un dieu. On va parler à un dieu. Et ça, c'est stylé. Parce que souvent, ça veut dire nouveau pouvoir. C'est Poséidon, ça, non? Non, Zeus, peut-être. Seigneur Zeus. Ah ouais. Kratos, vous devenez plus fort au fur et à mesure de votre quête. Mais pour triompher de cette aventure, vous aurez besoin de mon aide. Je vous offre le pouvoir du plus grand de tous les dieux, le père de l'Olympe. Je vous offre la puissance de Zeus. Prenez cette arme, Kratos. Exploitez sa puissance et utilisez-la pour vaincre vos ennemis. On a... Vous avez acquis la foudre de Zeus. Sélectionnez la foudre de Zeus avec la touche bas et appuyez sur L2 pour déclencher l'attaque. Allez! C'est bien, Kratos. Allez avec les dieux. Avancez au nom de l'Olympe. Au nom de l'Olympe. Magnifique. Putain. On a le pouvoir de Zeus, les amis. Le dieu des dieux. L2 enfoncé pour viser avec la foudre de Zeus et carré pour tirer. D'accord. Ah yes. Donc à mon avis, il va falloir lui mettre ça dans la tronche au mec là qui veut pas utiliser la foudre de Zeus contre les ennemis. Appuyer sur bas, ouais. À mon avis, c'est ça qu'il va falloir lui mettre. L'autre qui veut pas nous ouvrir avec le avec son vieux levier là. Ah, je vais pouvoir tirer aussi sur les. Je vais pouvoir aussi tirer sur les ennemis. Qui me laisse pas ouvrir les coffres. Ah, ok, on n'est pas obligé de parler de cette mort. Totalement ridicule. Ok. Du coup, j'imagine... Je sais pas combien on a de pouvoir dans le jeu. Alors si le son saute un petit peu pour vous, ça me fait aussi la même chose, hein. Comme je vous le disais, on est en streaming. Donc il se peut que des fois, il y a un peu de latence quoi. Mais bon, globalement je trouve que la qualité elle est bien, hein. Surtout que j'ai pas une connexion... Aïe. Bim. Allez hop, toi ça dégage. Ah c'est bien, c'est vraiment comme un arc quoi. Ok. Bon, par contre. Ah, ouais, tu tires de loin. Ah, tu peux en tirer plusieurs. Ok, nickel. Bon, voilà. Comme ça, on est tranquille. On ouvre nos petits coffres. Sans pression. Donc, là, pour l'instant, on a 3 pouvoirs. On a Poséidon. Avec les éclairs tout autour de nous. On a Zeus et on a Méduse. Donc, ça, c'est cool. On va prendre le vert, tiens. Histoire d'être à fond. Et là, on va prendre le bleu. Et voilà, et comme ça on a toutes nos barres de vie, on est prêts les amis à aller défoncer le mec qui veut pas nous. Qui veut pas nous ouvrir la porte ce connard. Normalement on a le petit raccourci aussi. Il est où? Il est là. Yes I. Et c'est parfait ça non? Franchement, on est bien.
Ah, désolé mon gars, mais tu vas l'apprendre. C'est vraiment un bâtard. Et le pont-levis s'avance devant nous. C'est beau. Tac. Ah, encore 4 et j'augmente encore ma vie. En plus, la première fois qu'elle augmentait la vie, mais j'étais tellement surpris par la... Franchement, ça augmente vraiment, tu vois, pas juste un petit chouille. Oh, plus qu'une pluie, mais on va augmenter aussi notre magie max. Ça, c'est stylé. Putain, c'est eux qui vont... Ils vont dans le sol, là. Je les avais pas reconnus. Ouais, maintenant je sais, vous me faites deux coups dès que vous sortez du sol, je sais maintenant. Avant je bloquais qu'une fois. Et maintenant je sais que vous mettez deux coups. Putain, la caméra c'est vraiment une horreur. C'est l'enfer. Putain mais... C'est fou. 1-2, 1-2. Putain, vraiment, en plus quand elle est dans le sol, je peux pas la toucher quoi. Putain, y a du people ici hein. Y en a des coffres et des machins et des trucs. Je sens qu'on arrive à un boss, je sais pas pourquoi. Vu comment c'est présenté, j'ai l'impression qu'on arrive à un boss. Ok, faut rester dessus. Sur le petit truc, le petit ascenseur à la Elden Ring. Ok, j'ai cru qu'il y avait une cinématique, pas du tout. J'étais en train de me délasser les doigts, parce que c'est un jeu, tu vois, qui est un peu violent pour les doigts, tu vois. Tu matraques un peu les boutons. Voilà. Ah, ça y est, j'en étais sûr. Trouvons l'oracle. Je sais qu'il faut qu'on te trouve. La place d'Athènes, ok. Ah oh putain, alors là on va pas tomber les amis, vraiment. Il faut vraiment pas tomber. On va pas se retaper tout le chemin. Ok. Sauvegarde faite. Allez go. Ouais, parce que l'oracle elle nous permet d'accéder à une porte au tout début. Wow, wow. Wow, bah c'est bon, calmez-vous là. Putain. Ils sont bien relous, hein, ils sont pas... Allez, hop. C'est pas les mêmes, j'ai l'impression qu'ils sont plus résistants que les tout premiers. Ils sont en armure seuls, hein. Hop, allez, je lui balance son pote dans la gueule. Et non, il a touché le mur, donc c'est mort. Putain, mais ils sont combien, là? Oh, sans faire exprès, j'ai découvert une cagette. L'enfoiré, il a attendu que je t'ouvre le coffre. Quel bâtard. Ok, allez, on avance. Avance, mon ami, avance. Oula, le temple de l'oracle, d'accord. Direct.
Bon, bah on va se recharger. Putain, c'est classe là. C'est assez classe quand même. Ouah. Ouh, ça sent le boss là. Je sais pas pour vous. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok. Ça sent le combat bien relou là. Allez, c'est parti. Ça sent les chauves-souris qui arrivent en... Oh putain, en plus il y a des méduses. Ah, laisse-moi tranquille. Oh putain. Oh merde, j'ai essayé de la... lui faire la QTE, mais non. Bon, ça va, les chauves-souris, elles sont pas trop... enfin, les chauves-souris, je sais même pas comment ça s'appelle. Oh putain. Non, 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 me touche pas, me touche pas. Ok. Bon, ça va. Je pensais que ce serait plus dur. Bien, mon garçon, bien. Athéna a fait un bon choix. Ça ne m'étonne pas d'elle. Qui êtes-vous? Alors, vous avez les lames, la peau pâle comme la lune. C'est bien vous, en effet. Athènes survivra peut-être, en fin de compte. Mais faites attention, ne mourrez pas avant que j'ai fini de creuser cette tombe. Enfoiré. Une tombe? Au beau milieu d'une bataille? Qui va l'occuper, vieillard? Vous, mon ami. Oh, j'ai beaucoup à creuser, en effet. Tout sera révélé en temps voulu. Et quand tout semblera perdu, Kratos, je serai là pour aider. Mmh. Il est bizarre, lui. Il est très bizarre. Qui est ce type, là, avec ses doigts dans les cheveux, là? En gros, il creuse ma tombe. J'ai cru que Kratos allait le défoncer quand il a dit ça. Je suis allé lui mettre un coup d'épée dans la tronche. Allez, on a toutes les plumes. 6 plumes du phénix, augmentation de la magie. Magnifique. Super ça. Ça c'est cool. Faisons une petite sauvegarde. Notre petit coffre ici aussi. Allez. Oh putain, on est régalé. C'est la régalade. Allez, allons sauver l'oracle. Oula. Oh putain, il y en a combien là? Ouhouhouhou. Merde, c'est pas ça que je voulais faire en plus. C'est pas grave. Ça, ce pouvoir, il est vraiment pas mal contre elles là, parce que comme elles sont reloues. Enfin, cette technique là. J'ai l'impression qu'elles sortent sans fin. Ça c'est possible hein. Comme elles viennent des trous et tout là. Attends, là il y a des... Là il y a des statues qu'on peut péter, il y a des coffres derrière, j'ai grillé. Putain, mais barrez-vous quoi. Mais barrez-vous. Ah mais... Ah non, ok, faut les...
Faut les tirer, faut pas que je les casse. Ok, donc là c'est un coffre magie. Ah, laissez-moi. Bon, gros, magie et vie quoi. Ok. Bon, je pense pas que je puisse tous les tuer parce qu'elles sortent vraiment tout le temps. Là, c'est un coffre magie. On va laisser comme ça. Ah, on est à l'étage. Ok. Oh putain, ça va casser les couilles, ça. Ça va casser les couilles parce que quand je vais marcher sur les poteaux, elles vont essayer de me faire tomber, ces petites connasses. Bah ouais. Eh ouais, ils vont essayer de me niquer. Oh merde. Ah mais les poteaux, ils pètent sous mes pieds. Ok. Ah attends. Pourquoi ils pètent sous mes pieds? Wouah, c'est chaud là. Ouais, je sens le truc bien casse-couille. Ah oui, d'accord. Wouah, putain. Oh putain. Oh les connasses. Ah putain, ça va être l'or. Ah, c'est l'enfer ça. Ah, c'est l'enfer. C'est ça. Et je me dis, c'est rien que j'ai tué en plus. Elles reviennent en... Peut-être avec le pouvoir de... Le pouvoir de Zeus, leur balancer des foudres à la gueule. Peut-être celle-là. Attends, déjà je vais essayer de tuer celle-ci. Voilà. Ouais, elles arrivent vraiment de manière illimitée. Avec toutes ces harpies. Ah putain, j'ai compris, il faut mettre les poteaux devant les trous. Putain, je viens de comprendre. C'est Kratos qui m'a un peu aiguillé, tu vois, en me disant je pourrais jamais passer comme ça quoi. Donc tac, ça on peut. Normalement ça je peux. On va bloquer les trous avec les harpies. Comme ça, ils vont arrêter de me casser les pieds. Là. Voilà, hop. Voilà, ça c'est fait. Et le deuxième trou, pareil. Fallait y penser, hein, quand même. Ça va qu'elles font pas trop mal, tu vois, mais bon, elles sont roulées. C'est pour ça que je pense qu'il y a plein de coffres de vie et tout. Parce qu'ils savent que tu vas te faire un peu niquer ta race quand tu vas pousser les poteaux, essayer. Ça va, elles sont assez de. Putain, elles se frappent entre elles. Elles sont vraiment teubées. Ok, allez, c'est bon. Tac, après on les tue, on nettoie et après on pourra passer tranquillement. Allez, c'est bon. Tac. Est-ce qu'il en reste ? Non. Alors, vous savez quoi, on va aller se restaurer. Si, je crois qu'il en reste un petit peu. On va prendre du bleu. Et on va prendre du vert. Par contre, je les entends toujours, donc ça veut dire quoi, elles sont pas loin ou c'est comment? Allez, nickel. On a toute notre vie, on a toute notre magie. Je crois qu'elles sont en haut, en fait. En haut, il faudrait que je les tue. Peut-être avec l'éclair. L'éclair de Zeus. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas combattu un petit boss là, ça me manque un peu. Ok, donc là c'est bon. Oh putain. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Ah, l'horreur. Ça c'est vraiment horrible ça. Oh, putain, ok, là c'est mort. C'est mort. Là c'est mort, putain, les chiens.
Ah, par là, par là. Ok. Allez, c'est bon, on l'a fait. On l'a fait. Non, c'est bon, la vie, on est bon. Sauvegarde. Allez, c'est parti. Oh, il y a du monde qui arrive là. Il y a du monde qui arrive. Mais je ne vous laisserai pas rester très longtemps en ma compagnie. Oh putain, c'est bon. Les combos là qu'on commence à faire, c'est pas mal. Hein. Aïe. Ok. Coup d'épaule. Putain, mais c'est sans fin là. Peut-être c'est sans fin, hein. Des fois c'est sans fin. Bim. C'est bon. On avance. Ça y est, on est passé. Ouf. Ça m'a donné chaud ce couloir. Oh. On y arrive. Kratos, à l'aide. Kratos, vite. Ah ouais, faut pas nous tuer l'oracle, hein. Ok, je sais pas ce que je vais faire avec ces statues, mais je la prends. Je pense qu'il faut la mettre là-dessus. Oh putain. Je sais pas ce qui s'est passé. Attends, y'a quoi? Y'a peut-être un truc derrière? Non, y'a rien. À mon avis, faut... je sais pas. Ok. J'arrive, j'arrive, bouge pas. Je pense qu'il faut faire tomber les statues là. J'imagine. Allez, hop. Voilà. Une là. Et l'autre, je pense pareil. Hein. J'ai peur de la faire tomber dessus l'autre sur l'autre en fait. Et après d'être... J'arrive, j'arrive, bouge pas, t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Je suis en train de déplacer des statues en fait. Il y a l'autre qui est là-haut. Oh putain, attends. Oh putain, attends. Ok. Attends, je crois savoir comment faire. Mais par contre, je crois que l'autre statue, je l'ai vraiment... Je l'ai vraiment bloqué quoi, je l'ai mis sur l'autre. Oh, mais dis pas que je l'ai bloqué le truc. T'imagines, j'ai bloqué le jeu comme ça, genre j'ai glitché le jeu. Je pense qu'il faut faire ça. C'est la merde. Attends. Voilà, hop. Attends, laisse-moi prendre des petits coffres. Ok. Bon, ça va. Ça va, t'as le temps. T'as tout ton temps. Je suis censé. Aidez-moi, Kratos, s'il vous plaît. Ok. Attends, je suis censé aller. Il m'a montré le lierre là-bas. Waouh. Je sais pas ce que je suis censé faire en fait. Je vais essayer de le mettre là. Y'a moyen. Ah, ça se trouve, c'était ça qu'il fallait faire. Hein. En vrai. Ouais, c'est bon, arrête de. T'inquiète pas. Ça,
Putain, ça se trouve c'était vraiment ça qu'il fallait faire, fallait les empiler, je l'ai fait sans faire exprès, c'était pas du tout un glitch. Kratos, je glisse. Vous devez venir vite. Je peux vous aider. Nous pouvons sauver Athènes, mais faites vite. Elle est insupportable. Elle est horrible. Attends, faut bien regarder la corde, machin. What? Ah, putain. Ok. Placez-vous près du bord du mur et appuyez sur... Faut attendre que... Ah putain, il y a 65 secondes. Oh putain. Vas-y, vas-y. Oh putain, merde. Oh, je suis tombé. Elle est morte. En vrai, Kratos, il se met juste en dessous. Hop, il la récupère avec les bras. Et c'est fini, tu vois. On a 65 secondes pour faire ça. Allez. Ok. Dieu du ciel. Ah non, moi je suis le dieu de la guerre. Enfin, je suis pas dieu de la guerre en fait. Pour l'instant, je suis rien du tout. Mais je crois qu'après Kratos, il devient dieu de la guerre d'ailleurs. Je crois que c'est... Ouais, c'est Arès le dieu de la guerre. Donc à mon avis, peut-être qu'en battant Arès, on devient le dieu de la guerre. Putain, il me reste 33 secondes. Je sais pas si ça va le faire. Hein. Allez, vas-y, dépêche-toi quand même. Hein. Hop, 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 hop. Ok, c'est bon. Putain, 10 secondes. Ça va être chaud. Hein. Oh putain, je crois que c'est mort. Putain, 7 secondes. Vite, vite, vite. Oh, 5 secondes. Oh putain. Oh, j'ai foiré. Oh non, putain, les gars, vraiment. Faut que j'aille plus vite que ça encore. Ah bah là, c'est mort. Allez, on s'est reparti. Cette fois-ci, elle compte pas. Attends, on attend. Ok, c'est bon. Ah, j'ai cru que c'était mort. Hein. J'ai cru que j'allais tomber. Je vois pas comment je peux aller plus vite en plus. Ah si, je peux faire ça. J'avoue, ça va plus vite. Hop. Hop. Allez Kratos, dépêche-toi quand même. Hein. Aidez-moi, Kratos, s'il vous plaît. Putain. La précision des touches de l'époque, les amis, ça c'est incroyable. Allez, c'est la bonne. Putain, j'ai cru que j'allais tomber encore. C'est l'enfer. Tac. Tac, 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 tac. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Ok, déjà tout à l'heure, on n'avait pas... Tac. Tac, 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 tac. Hop, double saut. Je dois aller où là? Et avec cet acte, Kratos mit en route les événements qui le mèneraient inéluctablement à sa perte. Kratos, à sa perte. Comme Athéna l'avait prédit, vous arrivez tard, peut-être trop tard pour sauver Athènes. Mais est-ce bien Athènes que vous êtes venu sauver? Non, je ne... On ne doit pas s'arrêter. Et quand l'oracle regarda dans son âme, elle y vit une bête en plus d'un homme. Autrefois capitaine dans l'armée spartiate, Kratos ne commandait au début que 50 soldats. Mais bientôt, il fut à la tête de milliers d'hommes. Ah ouais. Ses tactiques étaient cruelles, mais efficaces.
Ivre de pouvoir, il était craint par tous. Enfin, presque tous. Sa femme était la seule à braver sa fureur. Quand en auras-tu assez? Quand t'arrêteras-tu? Quand la gloire de Sparte aura fait le tour du monde. La gloire de Sparte. Tu as fait tout cela pour toi. Son désir de conquête n'avait aucune limite. Mais ce qu'il désirait tant allait finir par le consumer. Dieu du ciel, pourquoi Athéna vous aurait envoyé, vous? Mais sortez donc de ma tête! Choisissez bien vos ennemis, Kratos. Seule votre force brute ne sera pas suffisante pour détruire Arès. Un seul et unique objet au monde peut vous permettre de vaincre un dieu. La boîte de Pandore, qui repose bien loin des murs d'Athènes, dissimulée par les dieux dans le désert, à l'est. Mais attention, Kratos. Beaucoup sont partis à la recherche de la boîte de Pandore, mais aucun n'est revenu. Ah, j'ai bien kiffé cette histoire-là de voir le passé de Kratos. Passez les portes dans le désert, Kratos. Là débute le chemin vers la boîte de Pandore. C'est la seule façon de vaincre Arès et de sauver Athènes. J'adore la différence entre le personnage de l'oracle en gameplay et en cinématique, ça n'a rien à voir. ok. Bah écoutez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je vais descendre les escaliers et puis on va s'arrêter là. Hop, voilà. Voilà, il y a une petite sauvegarde, c'est parfait. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'ai bien kiffé la fin là avec la cinématique où on voit comment était Kratos avant et ce qui s'est passé. Je pense qu'on va en apprendre plus dans la suite pour voir comment il est arrivé jusque là au service des dieux et tout ça. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dès demain 18h pour la suite des aventures de Kratos. Ciao.